Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous n'êtes pas sans savoir que qui dit mois de décembre dit Vlogmas. Vlogmas, Vlogmas. Ça parle absolument que de Vlogmas. Si vous vous ennuyez le soir au mois de décembre, je ne sais pas quoi vous dire. Vous avez tous les vlogmas de la journée à regarder et je trouve ça tellement excitant. Moi, le premier jour des vlogmas, ce que j'aime le plus, c'est de regarder les intros. Parce que comme vous savez, j'adore faire des intros pour les vidéos et je trouve ça hyper cool et hyper cute. Et d'avoir une intro hyper jolie et hyper originale, je trouve que oui, ça rajoute quelque chose à sa vidéo. Donc, telle une addict aux intros, je me suis dit que j'allais vous faire un top 5, qui est en vrai un top 8. Mais top 5, c'est tellement plus joli. Des intros de Vlogmas que j'ai préférées. Donc bon, s'il y a des gens que vous ne suivez pas ou que vous ne connaissez pas, eh ben, je vous invite à les découvrir parce que ce sont des gens que j'adore et que j'adore suivre. Et puis, s'il y a des intros de Vlogmas que je ne connais pas, dites-moi dans les commentaires des youtubeuses qui ont fait des intros hyper cute. Et ça me ferait trop plaisir de les découvrir. Voilà. Cette vidéo se trouve un concours. Donc aujourd'hui, le lot du jour, c'est une carte cadeau Sephora. Donc pour jouer, hyper simple, il faut être abonné à ma chaîne YouTube, abonné à mon Instagram et commenter ma dernière photo. Voilà, hyper simple. Donc n'hésitez pas à les checker sur Instagram et voilà, allez commenter ma dernière photo. Et voilà. Écoutez, c'est parti, let's go avec la vidéo. Bon, en numéro 1, si vous me connaissez, vous savez quelle youtubeuse je vais mettre. Je vous attends. Quelle est ma youtubeuse préférée? Commentaire. En numéro 1, des top intros des Vlogmas 2019, clairement c'est Alisha. Elle a tout déclassé. Voilà. 2K19. All right, let's go to the B-roll. Elle a une intro différente pendant 24 jours. Genre la meuf, elle a bossé de ouf, elle a toujours des intros de malade. Elle se donne toujours à fond pour cette intro, c'est the truc qui la caractérise pour les Vlogmas. Et cette année, elle a voulu mettre la barre plus haut et se dire qu'elle aura une intro différente pour chaque jour de Vlogmas. Du 1er au 24, vous avez une intro différente. Et j'adore en fait, j'adore le concept, j'adore cette meuf, elle a une telle créativité, une telle imagination. D'ailleurs, j'ai toujours pas son suite Vlogmas. Pourquoi? Pourquoi en fait? Et donc voilà quoi, je trouve ça hyper cool et clairement Alisha, qui déclasse Alisha? Personne, voilà. Donc en numéro 1, Alisha. En numéro 2, c'est un style totalement différent, mais bizarrement... Pourquoi j'ai mis bizarrement? J'ai mis Enjoy Phoenix. J'ai l'impression qu'elle est sortie de sa zone de confort. Elle s'est dit, allez, je me lâche, je fais une intro hyper cute, je prends mon chien, je prends mon chat. J'ai pas envie d'engager de graphiste, de choses hyper ouf pour faire une intro. Je fais un truc hyper simple et en fait, ça marche. Ça marche totalement parce que ça, voilà, c'est elle en fait. Elle s'est dit, tiens, je vais me lâcher, je vais faire un truc spontané. Et j'adore. C'est hyper simple, hyper cool, hyper joli et j'aime beaucoup. En numéro 3... Il y a j'ai mis deux intros parce que voilà, je trouve que c'est assez similaire, enfin similaire dans la simplicité, on ressent un peu l'esprit de Noël, mais un peu l'esprit cosy, familial de Noël, voilà, qu'on connaît tous. C'est Caroline Vlog. Oh, jingle bells, jingle
open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is. Et la Baby Shoe Family. Alors voilà, c'est les deux intros que je trouve, voilà, qui sont à égalité, voilà, il n'y aurait pas une mieux que l'autre, que j'aime bien. En numéro 4, encore une fois, il y a deux intros et pareil, cette fois-ci c'est plus pour la simplicité. Voilà, ils ont voulu faire quelque chose de très simple, très cute, mais à la fois frappant. C'est Je ne suis pas jolie et Aspin et Parker. Clairement, je me retrouve un peu dans cette catégorie d'intro très simple, mais à la fois hyper jolie, hyper cosy, et j'aime beaucoup. Et ouais, clairement, si je devais choisir peut-être une intro, ce serait peut-être celle de Je ne suis pas jolie, parce que voilà, je l'adore, simple, efficace. Et en numéro 5, j'ai mis Elsa Makeup parce que elle fait des trucs pareils, hyper cool, hyper fun, mais encore une fois on retrouve un peu la joie de Noël. Et Rémi, vous savez que j'adore Rémi, j'adore son style, j'adore sa façon de faire, de parler. Son intro, elle est esprit de Noël, mais à la fois hyper fun, hyper ludique et hyper dynamique. Et en fait, c'est ce que j'aime dans sa personnalité. Et d'ailleurs, toutes ses intros s'en ressentent. Il y a toujours un truc hyper fun, hyper cool, hyper friendly. Et j'adore, voilà. En termes de composition, esthétique, créativité, je crois que c'est celle de Rémi que je préfère. Parce que c'est là où il y a le plus de travail, de montage, de création. Et voilà, c'est clairement mon domaine. Et c'est celle que je préfère. Donc, voilà. Et voilà les gars, vous connaissez maintenant toutes les intros des Vlogmas que j'aime, que je kiffe. Alors non, je regarde pas les Vlogmas que pour les intros. À vrai dire, je regarde pas tous les Vlogmas. Je regarde principalement les Vlogmas de Alisha. Je regarde les Vlogmas de Léna. Combien même je suis déçue par son intro. Parce qu'on a été rébarbatif là avec son intro tout l'été. Et là, elle nous reprend ça en mode hey, remix. Non. Trouve-toi quelque chose de plus créatif. Donc voilà, j'étais un peu déçue de son intro, mais bon, Noé, c'est juste une intro, hein, faut se calmer. Mais ouais, je trouve que c'est quand même très important. Dites-moi dans les commentaires si c'est important pour vous ou pas l'intro dans une vidéo. En tant que viewer, est-ce que quand vous voyez une intro hyper cool, hyper dynamique, vous êtes enjoué par la vidéo ou vous dites ouais, ok, c'était une intro quoi. Dites-moi ça dans les commentaires. Bon, je vous fais des bisous, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et ciao.